vol pour Anchorage a eu 4 heures de retard. Du coup, j'ai raté ma connexion. Heureusement que j'ai rencontré des gars qui allaient aussi à P&H, donc on a sympathisé. Et puis, on a loué un petit avion, un petit charter, un Piper. Et on a fait Anchorage Cordova à tomber du jour. Magnifique vol en dessus des Chugach et de l'océan, la baie de Valdez. On a atterri à Cordova à la tombée de la nuit. C'était assez impressionnant. Et j'ai pu quand même rejoindre donc P&H le samedi. So plan for the day. Guys are going to be checking in with you this morning, and so just kind of hang around until they come and check in with you. Don't go anywhere. And then we're going to be doing our training all morning. We've got pretty darn high winds in the mountains today. Ensuite, on a dû attendre que le vent se calme, parce qu'il faisait grand beau. Mais il y avait du vent, trop de vent pour voler. Donc le dimanche, on a été on hold. On a été aussi on hold le lundi, prêt à partir. Un groupe est parti voler. Il y a un groupe qui était parti là, Gen Kid. Ils sont allés voir un peu la situation en haut, mais c'est encore trop venté. Ils sont revenus et les deux hélices sont là, de retour. Et on est en hold en attendant que le vent se calme. Quand tu vois ça, tu te dis, ça va être une super journée d'hélice ski. Et ben non, en fait. Même si ici si c'est l'air super calme, Bluebird, ben là-haut sur la montagne, ça souffle trop pour poser un hélicoptère, donc ça va être un autre down day aujourd'hui. Mais à partir de mardi, grand beau temps, plus de vent, première journée. Et là, on a fait du gros, du lourd d'entrée au niveau de Clamshell. On s'est fait Detention Center, grosse face qui est dans beaucoup de vidéos de ski freeride, de ski snowboard freeride. Pas depuis tout en haut. On est parti un peu en plus bas parce que la neige était quand même assez ventée sur cette face. Donc ça a été assez un challenge parce qu'on a eu de la poudre, on a eu de la neige plus dure, il y avait une grosse rimée à la fin de la pente, il fallait pas se rater, il fallait faire un beau drop. Donc ça a été un gros rush de la journée, magnifique run. On a fait 9 runs ce jour-là, de la bonne poudreuse, de la grosse pente, mais aussi une neige assez changeante. Et donc ça a été une belle journée, une belle grosse journée de freeride. Le mercredi, on s'est refait une deuxième journée. Pareil, beau temps, pas de vent. Donc là, on est allé encore plus loin, vers Child Glacier. C'est vers la Copper River, à l'extrême limite de la zone où on peut faire de l'héliski. Une belle, magnifique vue. On a volé pendant au moins 25 minutes pour atteindre la zone. On a fait des premières sur une montagne qu'ils n'avaient pas ridée encore, qu'on a nommée Castle. Et de la bonne neige, un peu moins raide, des runs plus cruise. Et puis ensuite, on a enchaîné dans le coin. On a fini sur un des bras de Child Glacier. Un d'abord dans un couloir bien raide. Et puis ensuite, un run sur un gros spine, bien raide.
avec de la super neige. On nous a trouvé le guide. On a fini là-dessus, cette deuxième journée. Ça a été magnifique. Cette run, magnifique journée. Et puis, il nous restait un peu daily time. Et jeudi, magnifique temps de nouveau, plus chaud. Et là, donc, on est reparti pour une troisième journée. On est allé plus près, vers Cordova Glacier, qui est juste à 10 minutes de vol du lodge. On s'est fait un run en passant dans une cave, sur le glacier, les uns après les autres. C'était magnifique. Première fois que je fais ça, trop bien. Le guide a eu du mal à nous trouver des bonnes pentes où la neige était bonne. On s'est fait un beau couloir quand même avant de manger dans le coin vers Bull Eyes. Après manger, le guide Keith a décidé de voler pour se trouver une nouvelle zone. On est allé vers Highland. On a trouvé de la bonne neige. Ça a été vraiment, vraiment sympa. On s'est fait deux beaux runs. Et puis ensuite, on est retourné un peu plus près du lodge. On s'est arrêté dans une petite vallée vers le Tour Camp. Et là, on a trouvé de la super neige. Et on a pu se faire deux beaux runs pour terminer la journée. Je me suis fait un beau crash sur un pilot. Le guide m'a dit « Vas-y, le spine, ça passe et tout, tu peux y aller. » Et puis, je me suis retrouvé au milieu et tout d'un coup c'était un gros trou, un gros pilot, j'avais pas assez de vitesse, je me suis écrasé. Enfin, c'était blindé de neige, c'était cool. Et puis j'ai fini sur un beau dernier run ensuite sur l'arête, c'était top. C'était la fin de la journée parce qu'il a fallu rentrer, donc on a fait 10 runs ce jour-là. Voilà, le trip 2022 se termine. 26 runs, 3 belles journées. J'ai ridé avec un groupe super, du gros niveau, le guide aussi. Ready to come back and to get fired up.